Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous tes amis, toutes fanatiques qui branchent chaîne radio Parler Haïti, la voix du peuple. Eh bien, salutations par nous spéciales, qui papa bon Dieu bénit nous toutes. Nous saluons les fanatiques qui sont internationaux là, c'est là qui est dans le pays d'Haïti. Merci en pile, je vous dis à qui c'est mercredi 19 avril 2023. Nous saluons les fanatiques qui sont internationaux là, merci en pile, qui sont toujours branchés dans YouTube là. On allez, au niveau de tonton, on allez, nous allons droit dans l'information. Directrice CAS là, qui c'est Madame Edwine Tonton. Madame Tonton, madame Messie, on a parlé là, qui nan marron. Et jodi a même, li gen rendez-vous pour la répondre question juge Jovenel. Eh bien, nous t'attendons hier soir, madame Tonton qui dit, c'est pas lui-même seulement qui dans dossier corruption. Et il dit, depuis le tagé chance aller aujourd'hui à répondre question la justice dans cadre corruption, dans cadre l'argent CAS li volé et moi dit nous m'a dénoncé ça longtemps pour moun cap suivre moi là, nous toujours attendre m'a parler de madame tonton cap voler cob moun qui handicapé yo. Qui veut dire gen moun qui handicapé, nous toujours content de parler dans radio là cap dénoncer madame tonton côté madame tonton lui-même. Et Kob qui vient pour moun qui handicapé, moun qui pas capable, petit malheureux, madame tonton prend toute l'argent ça honnête. Nous comptons en pile citoyens qui parlent là, ils dit depuis après la mort Jovenel Moïse, ils même qui handicapé, ils pas jamais joindre aide, ils pas jamais joindre l'argent. Mais Kob yo là, madame tonton prend l'argent, ils pas bail moun ça yo Kob là. Jean-Wilner ouais ça trop grave. Comment fait madame tonton prend toute l'argent qui dans caisse l'état et on parle de CAS dans boîte là. Eh bien, yo mettez interdiction de départ pour madame tonton pas quitter pays et madame tonton elle supposée à répondre question jodi a même et s'il pas à répondre question jodi a pour al marrer quelque soit côté lié. Eh bien nous gagnons l'autre encore qui c'est comptable chef comptable CAS là qui déjà en bas code parce que c'est lui-même qui passé qui était marré complot avec madame tonton pour prendre tout l'argent moun qui handicapé yo. Mais qu'on y a là madame tonton lui-même il allé plus loin pour le dire c'est pas lui-même seulement gagner Mouzumila Petit-Fré qui te prend l'argent dans CAS, l'argent moun qui est handicapé, après expliquer bien pour comprendre, et qui achète machine avec l'argent, ça l'aime parler de Mouzumila Petit-Fré, c'est ménage Ariel Henry, qui prend l'argent tout dans CAS. Et bien, madame tonton dit, Mouzumila Petit-Fré dans la là tout, faut que relé Mouzumila Petit-Fré pour la répondre question. Madame, mais c'est nous comment moun ça yo fini avec pays a, moun yo conscient, yo volé l'argent. Moun qui handicapé, l'argent qui gagne dans boîte là pour aider moun qui pas capable. Madame tonton, c'est pour madame tonton marrer le temps pour ces crabes pour la voyer madame tonton dans pénitencier national. Ça c'est crime. Là vous voyez on cob disponible bayon moun qui comme ça il pas comme Ariel lié, c'est pas comme madame et pas comme maman madame tonton, c'est pas comme papa madame tonton. Comme ça c'est comme nous-mêmes qui payer taxe. Nous prend comme c'est comme pas nous. Côté moun qui handicapé yo même comme ça yo supposé al joindre yo c'est pas madame tonton nous pas payer taxe nous pas payer cob et pour madame tonton nous payer cob pour nous cob ça yo prend sous nous c'est pour aider moun qui pour pi faire bio pour qui ça madame tonton prend avec Ariel Henry qui se ménage li et Mouzumila Petit-Fré. On va faire noter plus de détails sur dossier ça avec frère nous Johnny Ferdinand qui parle ba plus de détails sur dossier madame tonton qui pas quitter yon good non, caisse assistance sociale, CAS. Et on dit depuis hier, des directrices là n'ont réchauffé lui-même. S'il va gagner à lui-même, c'est chance. Directrice CAS là, on parle de madame Edwine Tonton. Elle est adouée à répondre à une question juge la jodi. Et il y a une hésitation qui a faite au niveau de l'équipe de Madame Tonton pour qu'on ait est-ce qu'il doit aller, est-ce qu'il pas doit aller, parce que depuis les Jovenel Vallès là, tout le monde qui est impliqué dans le dossier ça, ou bien qui est non cité dans le dossier ça, il peut aller jeune juge là. Pour juge là pas tout Québec. Ah c'est pas clair. Bon moi-même t'as pas madame non conseil à toute équipe y aller. Son conseil m'a il a décidé prendre, il doit décider pas prendre. Parce que juge là lui-même qui prend rapport ULCCA, la travail, c'est comme prétexte libre à partir de ça qui dit dans rapport ULCCA, il peut approfondir le travail. Et pour aller chercher tout indice. Et l'elfine joue un indice, la prend ordonnance pour le voyer mon soit à le juger, ou bien, dit mon sao yo ordre lien de qu'il passe, parce que ça veut dire qu'il fait droit. On comprend pour dire mon sao pas gagner ou on mais en attendez. Et Madame Tonton, ça c'est information PAM. Madame Edwine Tonton, on t'a posé la question matin. Est-ce qu'elle toujours bénéficié de support monde qui te fait les jeunes jobs là? Ça sont pour des dérogations. Mon texte a circulé. Non, pas parler de ça. On t'a demandé, Madame Tonton, est-ce qu'elle bénéficiait de support, est-ce qu'elle continue à bénéficier de support monde qui t'a recommandé le job là ou bien qui t'a fait le jeune job là? D'ailleurs, Madame Tonton répond une question ça pour moi. Et à partir de ça, tout m'a tout. Bye, on conseil matin. Conseil, ça, c'est pour moun qui, dans l'État, dans le moment-là, qui ont des postes importants dans l'État. Conseil, ça, c'est pour moun tout, qui éventuellement capable de venir dans l'État, capable de venir occuper des postes importants dans l'État. Qui ça conseil là, Pierre Renel? Ouais, même si c'est un moun qui recommande nos jobs, même si c'est un moun qui faut jouer nos job. Ça ne veut pas dire ou obligé faire ça pas ça pour satisfaire désir, pour satisfaire caprice moun ça. Vous comprenez pour qui ça? Parce que tout simplement la responsabilité pénale est personnelle. Parce que demain si je veux la bien pour marrer, c'est où que t'es notre job là pour marrer, c'est pas moun qui te recommande là. Demain si je veux la ça passer mal, c'est où même qui a bien pour nous monter descendre, qui a bien pour nous courir. Moi, qu'on ait des députés, des sénateurs, ou des anciens parlementaires, qui qu'on recommandé des mondes nos séries de Matrice Pepla, c'est wow, c'est cool, Matrice Pepla. Job en de pays, qui qu'on ferme ton série de monde nos séries de et poste en de pays pour eux. Et puis monde ça gon cob pour la baie parlementaire ça yo. Gon l'argent pour la chercher un côté. De l'argent comme si la loi pas prévoit. Mais il faut le dégager le commerce Jean-Jacques pour joindre l'argent ça. Et bien, l'on en courri qu'on a là. On en courri pour quoi? Parce que même si elle était recommandée, mais pas l'état le signer pour, pas l'état foncé de bail pour. Donc, moi, je vois ça comme pinga, bail et moun, il a recommandé nos séries de job. Je suis capable de comprendre. On moun qui a recommandé nos jobs. On recommandé, je suppose, sous base compétence moun. Sous base capacité mon méga pour faire job là. Mais c'est pas sous base pour venir faire gagote pour venir voler pour. Et pas sous base comme si pour venir foncer de largesse pour. Et pour qui ça me dit concernant l'Ival pour moun qui dans pouvoir Ariel Henry. Bon paquet moun en dans pouvoir ça qui c'est des moun qui très fort dans pouvoir qui pas aucune fonction mais qui a utilisé moun qui des fonction dans pouvoir pour faire cob parce que quand pile là qui parle dans l'élection. Oui. Bien qui folie aller dans l'élection. À tout niveau, soit comme magistrat, soit comme député, soit comme sénateur, mais comme président. Et il y a besoin d'argent bien à l'élection. Attention, hein, suivez mon regard. Donc, on va le faire gargotou, on va le faire grimassou, on va chercher l'argent dans mauvaises conditions pour bailler boss, pour bailler patron, pour bailler monde qui t'a supporté. Eh bien, les balles a passé mal, les gars, ils des plaintes dans la radio. Puis, ils ont de ces persécutions politiques. Parce que le pays a pas pris comme ça, non? Et puis, quand on comprend même le système, non. En parlant de système judiciaire, là, il y a tout problème, ça, au moins, pas gagner des magistrats qui veulent distinguer, pas gagner des acteurs qui veulent distinguer. Je me toujours dit ça, pas tout le monde qui vole dans le pays. Et pas tout le monde qui pas accepté souffrir grand dans le pays. Je vais expliquer ça, et je vais prendre exemple là, sur moi, il y a des gens qui font des choix. Et c'est des choix qui sont extrêmement difficiles, mais là, je vais quitter pour choix ça. Femme, je vais parler au mal pour choix ça. Pour dire comme ça, ou même pas pour d'atteindre dans tel job, pas pour d'atteindre dans telle position, mais nous, on va être loin, on va faire nous jouer ceci, on va faire nous jouer cela. Plutôt c'est femmes qui parlent au mal. Plutôt c'est hommes qui critiquent. Plutôt c'est ménage qui quittent, madame ou quitte pour faire pas bon. Que c'est la République qui met au dos pour voler, pour être longue, pour corruption. Pour me finir, il y a du seul, parce qu'on n'a pas allé longtemps là, nous devons ouvrir une petite parenthèse tout court, sous question. Rommel Bellio. Nous connaissons semaine dernière, avocat Rommel Bellio récusé Matrice Pepla, c'est wow, c'est cool. Matrice Pepla. De l'autre côté, concernant M. Pierre-Richard Vallès, là, pour même exercice fiscal 2021-2022, enquête l'a révélé. Pierre-Richard Vallès a ajouté Mounpal dans différentes listes bénéficiaires subventions CASIO. Il a ajouté Mounpal Madame Li. Madame Li est Manouche Arilus Vallès. Il a ajouté Mounpal c'est Madame Li qui est belle celle. Raymond Arilus. Et gon l'autre membre dans la famille en tout qui c'est Woody Arilus l'a ajouté Mounpal. ULCCA dit, d'après enquête li, proche Pierre-Richard Vallès, qui c'est comptable en chef, Yokenbe Yea, qui passe premier nuit dans le pénitentiaire national là, il bénéficie chaque subvention qui est valée à 1 765 000 goudes pour un seul exercice fiscal. C'est pas moi qui parle. Il dit c'est Johnny Ferdinand problème là, vous comprenez? Comme c'est moi qui ai inventé, oui. Non, même dans CAS encore. Bon, Madame Ivro Zalcida. Madame, ça, son fonctionnaire du ministère des Affaires sociales et du Travail. Ils sont membres influents. Cabinet actuel directrice CAS, là, qui est Madame Edwine Tonton. ULCCA dit, li abusé de influence li pour le bénéficier. En janvier 2022, une subvention de 500 000 goudes sous nos propres organisations qui est AFPD-PV. Pour ULCC, Madame n'a commis un acte de trafic d'influence passif. Et c'est même bagala tout pour directrice là. Edwine Tonton qui a agréé sans garder derrière subvention Madame Ivro Zalcida Guizé Mounpal. Et ULC c'est tout rappelé tout. Madame Tonton, t'es fait tête li passer pour une lanceuse d'alerte. N'a pas changé dans la vidéo, li te rend public sur les réseaux sociaux, non scandale de détournement de 5000 chèques de la CAS. En guise de rappel, mes chers amis, CAS, c'est une institution, et pour être plus précis, c'est une direction technique du ministère des Affaires sociales et du Travail. Yo te créé institution ça c'est dans l'idée pour longer la main by moun qui beaucoup ou bien qui plus souvle vulnérable en dans pays. Par exemple, ou joindre des personnes qui avancent en âge, c'est-à-dire des petits grands moun, si nous capable relayer comme ça, ou joindre des moun tout qui pas de relique, pas de répondre, ou joindre des gens qui c'est des gens qui ont mobilité réduite, qui pas capable de faire grand chose, et puis yo yo voyez un petit bail pour yo ba un petit chèque chaque mois. Et bien c'est chèque ça yo ULCCA dit moun yo a détourné. Avec des gens qui ont fait plusieurs mois pour des chèques là, ils vont rajeunir, non? Et puis combien va s'il vous plaît? Employés institution ont entendu à faire ça. Combien va? Moi je vais 1 700 gouttes là, va aller sous chèque. 1 700 2000 gouttes, je suppose. On ne voilà, moi j'ai fait plusieurs mois là, pas rajeunir rien, non? Jusqu'à ce dossier, hein. Magistrat Jean-William Mourin, information fait quoi hier, les fins de comptable chef là, Pierre-Richard Vallès, et puis il décide de gagner. Matrice Pepla, c'est wow, c'est cool. Matrice Pepla. Moi-même, depuis nous avons parlé d'un dossier dans l'espace, ça, je me rassure que j'ai un maximum de données possibles. Je ne vais pas faire buzz, je ne vais pas faire hit, je ne vais pas faire superstar. D'ailleurs, dans le moment de parler avec nous, là, j'ai des dossiers qui sont en souffrance. Là, là. Pour qui ça me peut parler de eux, c'est parce que je peux gagner un maximum de données que je dois gagner. Même j'ai un dossier CAS là, il dit Alexandre, et c'est sous ça que je voulais venir matin. Nous sommes venus là, moi venir avec un document même, sous support électronique, qui gagne un ensemble de rapports que ULCC produit, qui gagne pour avec corruption dans le pays. Moi choisi 5 dossiers m'estimé qui a plus intéressé la République ou bien m'estimé qui est beaucoup plus pertinent. Moi vin là, moi 10 pays mais qui ça bagay la yé. C'est pas moi qui inventé yo. Sauf que mon travail en plus me fait comme journaliste. L'information est juste disponible, pas détaillée, mon yo pas contre ça bagay la yé. Moi même moi jouer sous samien comme couloir, moi jouer sous samien comme capacité pour me chercher sous moi. Et puis, moi, je vois un document, c'est un document qui est volumineux. Je suis à la caméra, je passe des heures dans la nuit, je feuille document. Et moi, je viens de bagages, je viens là, je dis la République, mais qui ça qui dit? Et je me dis, c'est pas moi qui a parlé, c'est ULCC qui a parlé. Mais après, journal, c'est moi, oui, à laisser détruire, discréditer, qui dit c'est radotaille. Or, moi, précisément, je me dis, c'est pas moi qui a parlé, c'est ULCC. Regardez. Nouvelle là qui s'allie depuis hier. Ancien chef comptable CAS là, Pierre-Richard Vallès, il passé première nuit dans le pénitentiaire soir. Donc juge cap sur dossier n'a parlé de Jean-Wilner Mourin, fin temps de monsieur et puis l'estime qu'il y a nécessité pour que monsieur. Mais on t'y rappelle tout petit mes chers auditeurs, on connaît intelligent. L'aime parler de dossier ça pour la première fois ici. Et comptable a télé. Les comptables a relé. Comptable a presque non certain niveau. Vous voyez, j'étais ça dit. Et lui-même sorti pour le dépasser dans la bêtise, pour le dire, on journaliste fougue tant que Johnny, pour qu'ils ne soient pas chercher qu'on dise ou pas chercher qu'on date. C'est comme si c'est moi-même qui dit bagaille. Marron se comprenne. Et pour l'histoire et pour la vérité, moi j'ai yon moun qui compte pas la vem qui ses amis comptable et puis qui parle la vem et puis qui explique que comptable vle pas la vem moi va la ti patata mais moun ça me comme l'impression il était presque vle mettre mel du feu pour comptable mais celle ça me connaît me rassuré me dit ça que Dieu pas moi inventé yo existait quelque part et à chaque fois que une institution dans le pays que la constitution ou bien les lois de la République prévoient que vous devez mettre là et puis régit fonctionnement normalement, qui font travail, moi comme journaliste, depuis moi travail là, qui utile la République, m'a dit qui ça travaille là. En guise de rappel, mes chers amis, Pierre-Richard Vallès, que Mounio connaît comme ancien comptable en chef, ou institution qui est CAS d'assistance sociale CAS. Matrice Pepla, c'est wow, c'est cool. Matrice Pepla. Comme ancien comptable en chef, ou institution qui relève CAS d'assistance sociale CAS. Dans le rapport ULCCA, qui ça te dit? Il dit que enquêteur ULCCO al font perquisition dans le local institution. Yo prend une série de laptops, parmi yo, laptop comptable en chef là. Et sous base données, yo jouen sous laptop comptable en chef là, m'a parlé de Pierre-Richard Vallès. ULCC dit, yo souligné divers cas corruption. Peu yo dit gon fichier sous laptop là, fichier ça, l'irélé Vallès projet. Yo jouen que, comptable chef là, li utilise deux organisations fictives qui pas existé pièce côté que sous laptop comptable chef là, pour le capable détourner l'argent dans CAS. Première organisation l'irélé comment? L'IRELE intégration des jeunes défavorisés pour une nouvelle Haïti, IJDNHA. Deuxième organisation relais, organisation des jeunes pour le rehaussement de l'entrepreneuriat en Haïti, OJREH. Dans le fichier, ça rejoint deux lettres de demande de subvention qui concernaient deux organisations. En avril 2022, pour deux projets. CAS baille 1 million de gouttes pour deux organisations. 600 000 gouttes pour chaque organisation de cette cité-là. En août 2022, Deux organisations ça bénéficient de l'autre subvention de 1 million de gouttes. Qui donc, pour seulement exercice fiscal 2021-2022, il y a 2 millions de gouttes qui a joué deux organisations ça j'aime te dire tout à l'heure qui existait seulement sous ordinateur M. Vallès là. Mais c'est pas moi qui dis, c'est ULCCA qui a parlé. L'agent ça l'idée que c'est à complicité un citoyen qui est le Jerry Saint-Amand. Qui ça ULCCA dit? ULCCA dit Jerry Saint-Amand ça, il c'est trésorier une organisation yo. M'a parlé de première organisation qui c'est IJDNHA et puis même Jerry Saint-Amand ça, il c'est coordonnateur général de la deuxième organisation. C'est ULCCA qui a parlé, c'est pas moi qui te dit ça. En guise de rappel, amis auditeurs, amis internautes. L'argent ça n'a pas là. Non seulement dès que c'est l'argent de l'organisation yo et pas des pièces bagages qui fait vrai, pas des pièces projet qui exécutent vrai. Et deuxièmement, organisation ça n'a pas une adresse. Soit elle cherche, il n'y a pas existé pièces côté. C'est ULCCA qui a parlé. Novembre 2022. ULCCA dit là au fin de temps de Vallès, il pose une question sur ça, il répond midi comme citoyen. Personne n'a pas empêché de faire une demande de subvention dans CAS. ULCCA a parlé. Deuxième niveau de corruption que ULCCA li souligné dans CAS là. Li gagne bon, gagne organisation qui est le Auchan Haïti, li dit Alexandre. Organisation ça te produit une demande de subvention de 100 000 gouttes. Sous administration ancien directeur CAS là qui c'est France Ideris. Pendant moun Auchan yo, y a tant de subventions et ULCCA s'est rappelé que Auchan Haïti c'est une organisation qui existait, qui a adresse normalement, qui a matriculé, qui a attestation normalement. Donc, yo fait, on demande de subvention en bonne et due forme. Pendant y a tant de chèques là, eh bien, il y a Pierre-Richard Vallès qui c'est comptable chef là, li entendu à comme monsieur qui est Hector Bernadette, yo falsifié attestation ministère affaires sociales bail Auchan, yo falsifié matricule organisation, yo passé par en bas, y a le projet 100 000 gouttes là. C'est pas moi qui dis, c'est ULCCA qui dit. On l'aime perdre du temps de travail sur rapport. Moi, ouais, ça me vient partager avec la République. C'est moi-même qui problème dans Konya. C'est avec nous besoin régler contre la Konya. Nous connaissons le reste ULCCA, nous connaissons l'institution, nous connaissons toute bail de lui. C'est moi qui ai écrit pour nous bonne pression. Matrice Pepla, c'est wow, c'est cool. Matrice Pepla.